Salut à tous, aujourd'hui un petit tutoriel pour vous expliquer comment jouer au clavier sur PlayStation 4 sur Minecraft. Donc vous aurez besoin bien évidemment de toujours votre manette à mettre de la PlayStation allumée bien sûr, un clavier. Bon après moi j'ai choisi la facilité, hein. J'ai pris un clavier sans fil avec un raccord USB unique pour les deux. Bon ça coûte 25 balles sur Amazon, hein, donc voilà c'est pas la mort. Donc la console allumée, le jeu n'est pas encore lancé. On va prendre soit le câble, l'un des deux câbles de la souris ou du clavier, on va venir les brancher en façade. Donc c'est pour ça que c'est mieux qu'il n'en avoir qu'un seul, ça monopolise qu'un seul des ports USB de façade. Donc on le branche, voilà. Une fois que c'est branché, on lance le jeu avec la manette. Voilà. Bien évidemment, il faut attendre le temps de chargement. Donc dès le début, on peut très bien accéder au clavier et à la souris dès l'interface. Voilà, regardez. Là, je ne sais pas si on voit, je bouge la manette et la petite souris se bouge. Donc on peut faire paramètres pour vérifier, bien évidemment, la configuration du clavier. Est-ce que voilà, pour configurer ses touches. Hein. Bon, après, c'est les touches. Moi qui joue sur PC, c'est les touches de base. Hein. C'est vraiment la même chose que le réglage des prédéfinitions de PC. Donc voilà, donc on peut faire jouer, on va tester. Allez, on y va. Hop. N'importe lequel. Allez, c'est parti. Et voilà, clavier souris. C'est parti. Et on voit bien que c'est assez. Bon, c'est aussi fluide que sur ordi. Hein. Après, on n'a pas la dextérité, évidemment. Faut s'habituer. Jouer au clavier sur une console. Bon, il n'y a rien de bien compliqué, rien de bien méchant. Mais en tout cas, ça fonctionne. On sait d'office que le clavier, ça fonctionne en jeu. On va essayer de le tester pour voir si ça fonctionne à l'écrit. Poser ça et voilà, miracle, échappe pour sortir et voilà, c'est bon. Donc voilà, c'était le petit tuto fort sympathique que certains devaient déjà connaître, je pense, mais bon, c'est bien de faire des petites piqûres de rappel parce que ça peut être très pratique de jouer à Minecraft en clavier souris pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer sur un gamepad. Sur PS4. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon jeu Minecraft et à bientôt.